Yo, salut à tous et salut à toutes! C'est Fifou, on se retrouve pour la 11e partie de Mario Luigi Superstar Saga. Rappelez-vous, nous avions été dans la Demi. On avait commencé la Demi, puis là on continue l'aventure. J'avais fait ça? Voilà, et ben on va pouvoir accéder à Crackemon. Voilà. Des objets super champis parce que ça va vraiment peut-être servir. Oh non, un point de sauvegarde. Oh. Pas grave. Ça va le faire. Let's go. Lancez la voile, bitch. Oh. Tu es devenue folle. Que s'est-il passé que... Il se passe quelque chose que nous n'avons pas prévu. Ah! La situation est critique, ne venez pas interférer. On n'a pas le temps de s'occuper de vous. Ah! Vous tenez donc tant que ça à vous battre. Très bien, je vais vous affronter. Vous l'aurez voulu. Je vais vous envoyer voler jusqu'au royaume champignon! Eh ben, on va battre Crackemona. Et là, elle commence déjà. Elle fait des trous noirs. Oh, les trous noirs sont chiants parce que... Oh non, le con! Oh, double con. Ah, oh, ça va. Merde, quel con. Voilà. Parce que là, les trous noirs, ça nous ralentit, en fait. Voyage, on est plus lourd, là. Mais c'est pas grave. C'est pas... Vraiment, c'est pas grave. Ah, on est lent. Voilà. On bourrine. Mais ça n'interfère pas les... dans les attaques frères. Bien. Et ça disparaît au fur et à mesure en fonction des tours, hein. Donc il n'y a pas de souci. Là. On lui fait quand même des gros dégâts, comme vous pouvez le constater, n'empêche. Hein. Alors, il bourrinait là. Allez. On a bourriné. Vous êtes du genre tenace. Je n'ai plus de temps à perdre. Alors là, franchement, c'est fort parce que d'habitude, là, il faut l'admettre parce que d'habitude, elle lance une attaque où elle se crée des clones d'elle-même. Il faut trouver la bonne Crackemona. Là, elle a même pas activé cette attaque. Là, elle va passer directement à la seconde phase. Là, elle s'énerve. Attention. Elle relance ses attaques comme ça. Merde! Ah! Bon, elle peut faire 5-6 dégâts, quoi, elle peut faire mal. Bon, là, elle va plutôt mourir parce que c'est comme ça en principe. Et voilà. Ça a été rapide, hein! Et voilà. Vaincu. Et là, oh putain, 900 points d'expérience! Level up! Quoi? Non, j'y rêvais. J'ai cru avoir vu un truc, mais non. Excusez-moi. On va monter quoi? Les PC? Allez, un bon truc. Oh, oh c'est nul. À chier. Bon, bah, comme vous avez pu le constater, la Végéto, elle a réagi avec la voix de la princesse Peach. Puis elle s'est barrée. Bizarre. Ma foi. Ah, dommage. Non! C'est impossible! Maîtresse, ne vous inquiétez pas. Enfin, maîtresse, ne vous inquiétez pas. Je vais absorber votre énergie avec cet appareil. Ah, ah, Krakowicz, porte-leur le coup fatal. À vos ordres.
Il a volé. Vite, mes amis. Vite, mes amis. Allons récupérer la vieille étoile. Comment? La vieille étoile serait devenue incontrôlable après avoir entendu la voix de la princesse? C'est bien ce que je pensais. Calmez-vous. Derrière tout ça se cache en fait un secret incroyable. Oui, parce qu'il va se produire un truc qui va nous surprendre. Mais je vous dis pas tout de suite. Je vous expliquerai tout ça en taille une fois que nous aurons récupéré la vieille étoile. Retrouvez-moi au sous-sol. Ok. Eh oui, on peut avoir battu Greg et Mona, le jeu ne termine pas comme ça, hein. Non mais oh. C'est peut-être un antagoniste, mais... Le jeu n'est pas terminé. Sous ce de là, demi. Bon, bah on va péter la tête à certains ennemis. Voilà, je mets 192 poké, enfin, poké, de petits sous, là, des pièces. Bien, c'est bien. Ah, bah, un bloc sympa. Bien. Hop là, champignon. Ah. Bien. Ah bah y a des potes, super ça. Oui, y a des potes. On est descendu ça. On a un petit peu du chemin à faire et puis on arrive au bout là-bas. Donc là c'est l'espèce d'éclair, le bout. Oh, tant qui. Oh, un chien. On a trouvé le chien. Oh, let's dog. Non, c'est bon, pas de chanson. Ah, merde. Eh, mais bah, là, t'es marrante. Alors, les ennemis là, ils peuvent aussi nous faire baisser les stats aussi. Hein. Oh, c'est joli, c'est fait confus. Merde. Ouais, j'étais dessus quand même. Bien. Attendez, il y a des OG. Donc là, il faut... Voilà, un pote. Faut faire gaffe, hein, des fois. Et là... Bleu. Encore un chien. Ah, il y a encore un chien. Et oh, oh, stop. Ah, pas de musique, hein. Bref. Ah, merde. Il est complètement déconnecté. Ah, dommage. J'ai mal appuyé. Ouais. Oh, double chien. Bien. Après, une fois qu'on a débloqué une attaque avancée, on peut plus avoir une nouvelle attaque avancée, hein, ça c'est clair. Hein. On a une attaque frère et une avancée, ça va pas plus loin après.
Ça va, je maîtrise, hein. Bon, en fait, il y a de l'eau, mais ça ne sert à rien pour l'instant. Oh là là là. Et là, dans un, les 3 mois. Dans Mario Luigi Dream Bros, ils sont plus chiants ceux-là. Excusez-moi. Re! On fait des dégâts monstres quand même. Voilà. J'ai envie de faire le. D. Non, ça marche. Non, c'est pas l'attaque là en fait. Alors attends, là il va faire quoi? Ouais, il faut faire ça, vous voyez, il y a l'attaque, ça c'est son attaque. J'ai pas bien fait l'attaque avancée du rebond, frère, c'est dommage. Bah, je savais plus comment la faire en fait. Mais après, quand tu fais le truc en ralenti, il te montre aussi l'attaque avancée. Hein. Yo, mec! Foiré. Alors là, bon, faire une petite facilité comme ça. Bleu. Ah non, quel con. Ah, quoi que si, pourquoi? Ça peut marcher. Ah oui, ça marche quand même, vous voyez. Let's go. Ok, ok. Aïe! Je pensais qu'il allait recommencer à dandiner comme ça. Il m'a attaqué lamentablement. Let's go! Fini. Franchement, ils sont 26 là. Ah oui, ça c'est chiant par contre. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait une bouche d'égout et je sais pas à quoi elle servait la bouche d'égout. Attendez, je vais revenir à la bouche d'égout. Au pire, je vais faire une ellipse. Non, en fait, il y avait rien dans la bouche d'égout, en fait, ça servait à rien. Il y a de l'eau, en fait, c'est pour décorer l'eau. Parce que si tu lances de l'eau sur l'ennemi, ça fait rien. C'est comme ça, c'est fait. Et là, c'est assez chiant parce qu'il faut bien viser. Et c'est souvent mal barré, regardez. Ouais, c'est t'as vu, c'est chaud! Putain, il faut pas s'abonner. Faut bien viser, hein. Ouais, faut être à l'ennemi du rouge, quoi. Ouais! Coup de barre, hein. Tu vas voir si ça touche pas. Ah voilà! Je préfère. Parce qu'après il faut recommencer si jamais on rate au bout de 4 fois. Et là la porte s'ouvre là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Oh, il y a des tristes, attention. Sous-sol de l'Académie. Oui. Ça fait au moins 3 fois qu'on y est, mais enfin, ça fait au moins 3 fois qu'ils le disent, hein, et 3 fois. On dit bien et bien. Là. Oh là là, voilà. Si vous. Voilà. N'allez pas tout droit tout de suite. Allez chercher les petits objets qui traînent. Regardez, un petit poids. Hop là. On peut pas en avoir plus que 99. Attention, ça je précise, des poids. Ça va encore.
Les pois oufs, ils sont souvent cachés dans le sol. Les pois rouges, on les trouve dans les blocs. Les pois rares au combat. Et puis, il y a des pois jaunes qu'on trouve dans les jeux mini-jeux. La végétale est tombée. C'est un coup, un vrai coup de bol. Je peux pas le croire. Les trésors me tombent du ciel. Quelle chance. Je suis trop fort. Ça me surprend moi-même. Maître, c'est formidable! On va pas mettre une chanson de Stromae. Pas la peine. Le nouveau. Oui, maître! Mes yeux ne me choquent pas du tout, non? Alors pourquoi je vois le rouge et le vert de l'autre jour? Ah! C'est toujours la même chose! Encore et encore! Le nouveau? Oui, maître. Il semble qu'ils veulent encore se battre! On va leur montrer! Quoi? Deux boss sur une vidéo? Sérieux? Oui, maître! Ah, j'aime bien! Voilà, ils vont pas amocher la végétoile, là, ils ont un grand respect là-dessus. Hein. Allez, c'est parti! Allez, pagne, viens te battre. Tum, 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 tum. Ouais, tu te calmes, toi? Genre, l'autre, il me vise, là. Bascule. On leur fait des gros dégâts, là. Et va, j'ai déjà fini, hein. Allez, s'énerve, hein. Bref, allez, on va s'éclater maintenant. T'es prêt? Une seconde. Voilà, parfait, c'est bon. Alors lui, il a plus de points de vie que Pagne, hein, que Pagne. Il fait comme les frères Marteau, Bowser, en fait. Il va bientôt mourir. Allez, j'ai envie de faire le rebond de fer. Attends, si j'ai envie de faire l'attaque avancée, pour voir ça donne quoi. Ok. Ouais, en fait, c'est très. En fait, quand on fait l'attaque avec des explications, elle est moins puissante. Hein. Oh bah il est vaincu. J'ai cru qu'il était pas encore mort. Et on gagne plus 300 points d'expérience, ouais. Alors là c'est pas, on gagne pas 900, hein. On gagne 300. Pour les avoir battus, ces petits rigolos là. Oh ça c'est cool, 63 en vitesse. Oh bah c'est bien, plus 5, plus 5 en vitesse, mais c'est génial. On les a vaincus. Oh. Attention, le trésor s'envole. Il commence à lâcher prise. Et là, Bowser. Enfin, que la mémoire me. Je suis Bowser. Et là, il se rappelle qui il est. Voilà, il est pas le bleu, hein. Il est Bowser. Et là, la végétation se sépare en 4 morceaux. Île Kusu à l'est de Végétia. Kusu, enfin Kusu. Et voilà. On va pouvoir continuer l'aventure maintenant. Mais avant, je vais vous dire. Et ouais. Bah, si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker ou éventuellement disliker la vidéo. Ou éventuellement vous abonner à ma chaîne. Et commenter la vidéo ou pas, c'est comme vous voulez. Allez, ciao et à la prochaine.